Depuis sa création en 2019 et reposant sur les 55 ans d'existence de l'Université de Valenciennes, l'Université Polytechnico de France est reconnue comme un pôle d'excellence en formation et recherche. Modèle unique d'établissement en France, l'université regroupe deux établissements composantes, l'INSA Hauts-de-France et l'École supérieure d'art et de communication de Cambrai, ainsi que les deux composantes que sont l'Institut Société et Humanité et l'Institut universitaire de technologie. Présente sur 5 campus, Montouy, Cambrai, Maubeuge, Arambert, Tertial et Ronzier, l'Université Polytechnico de France compte plus de 14 000 étudiants. L'université propose 170 parcours de formation, depuis le bac jusqu'au doctorat, autour de trois grands domaines. Sciences, technologie, santé, droit, économie, gestion, management, arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Depuis septembre 2022, l'UPHF, associé à l'Institut catholique de Lille, possède son école doctorale. C'est la seule en France où l'on peut obtenir un doctorat avec une spécialité majeure et une mineure. L'UPHF axe la réussite étudiante sur la modularité des cursus afin de répondre au mieux aux besoins du monde du travail. Les modules polytechniques et d'ouverture apportent une dimension multidisciplinaire et une ouverture d'esprit qui sont nécessaires afin de relever les défis de demain. Une ambition que l'université a concrétisée à l'échelle européenne en co-créant en 2020 l'Alliance d'universités européennes ENIS, European University for Customized Education, réunissant 10 établissements membres. Elle offre de nombreuses opportunités pour la communauté universitaire. Cours en ligne et en présentiel, mobilité en Europe, événements de recherche, activités sportives et culturelles, et plus encore. Dans cette même dynamique d'internationalisation, l'UPHF a développé plus de 200 partenariats à travers le monde et accueille près de 2000 étudiants étrangers chaque année. Cette excellence de formation est adossée à une recherche de pointe de portée mondiale. 4 laboratoires, dont 2 unités mixtes de recherche CNRS, innovent dans de multiples secteurs. Le LAMI, unité mixte de recherche spécialisée dans le transport et la mobilité humaine. L'IUMN, site de Valenciennes, qui se consacre aux nanosciences et à l'instrumentation. Le CERAMAT, qui regroupe 2 domaines, les matériaux céramiques et procédés, et les mathématiques fondamentales et appliquées. Enfin, le LARCH se concentre sur les grands enjeux humains et sociétaux. L'UPHF dispose par ailleurs d'un impressionnant démonstrateur, l'Institut des mobilités et des transports durables, réunissant l'université et le technopôle Transalais, d'une filiale Valutech qui favorise l'innovation et répond aux besoins industriels, et d'un Hub House dédié au développement de la culture entrepreneuriale et à la prise d'initiatives pour les étudiants. Humaine, dynamique, innovante, l'université est sociétalement responsable. Elle ambitionne de préserver notre environnement, de favoriser la cohésion sociale et de promouvoir une économie plus juste. L'Université Polytechnico de France, acteur majeur du territoire, construit jour après jour le monde de demain. Bienvenue à l'Université Polytechnique Hauts-de-France.